Et donc salut à tous, c'est Pet Araignée, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vlog numéro 4, et on va à Tahiti. Donc on a prévu des petites activités de fou. On va faire du surf, on va voir les poissons, tout ça, comme d'hab. On va faire des super belles plages. Et notre pension, elle est à Papeete. Donc c'est un peu la ville principale de l'île. Donc j'espère qu'il vous plaira. Likez, abonnez-vous et puis c'est parti. Go Tahiti. Là on va un marché de... un marché, regardez, le marché de Tahiti, et c'est le principal de la ville. Genre il est énorme. Pourtant elle est à 350. Ouais. Laisse tomber, moi je suis parti. Petite plage de Tahiti. Ah ouais, ça rigole pas ici. Plage de sable noir. Ça me rappelle la Réunion. Et là, c'est un joli fort. En fait, on est sur l'île, on est le plus au nord. Donc c'est pour ça qu'il fait un peu plus frais et qu'il y a un peu de vent. Bah, on le ressent, bon, vous le ressentez pas, hein, mais. On est au plus au nord. Donc là on va avoir un petit souffleur. Bon, il fait pas très beau, hein. Il y a beaucoup de vagues. On va aller voir un souffleur et on cherche un spot pour surfer. Soit cet après-midi ou soit demain. Donc voilà. Ça c'est le souffleur. On a un beau ici aussi de souffleur, regardez. On va attendre que ça souffle. On dirait un volcan. C'est ce trou là. Wesh. Vraiment, c'est trop bizarre. On dirait vraiment un volcan, genre. Oh, ça fait peur. Genre, j'ai trop envie de mettre ma main. Petite cascade. Enfin petite. Pas très petite que ça, mais. Elle est trop stylée. Donc là on est sur la plage où va y avoir les JO 2024 dans l'année prochaine du coup. C'est là où va y avoir le surf. Regardez. Juste là, si vous voulez mettez pause pour lire. Mais ils sont en pleine construction.
Ah bah regardez, ici. Et ouais, bah ça va être les JO 2024 pour le surf. Là, il y a pas mal de surfeurs. On a trouvé un spot. Il y a des bons rouleaux. Je vais essayer de vous filmer. Regardez comment ils la prennent bien. Ah, ils sont chauds. Petite session surf terminée. Bon, le dernier clip, c'est pas moi, hein, vous l'aurez vu, le mec, il était trop chaud. J'ai réussi à le prendre. Franchement, ils étaient bons. Hein. Bon, vous l'aurez vu, hein, j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu, mais c'est trop dur. Et le surf, il faut avoir un équilibre, une technique de fou. Genre, vous l'avez vu, j'ai pris des rouleaux, mais soit... je ramais pas assez fort et du coup la vague elle passait, ou soit à un moment je prenais des rouleaux et la vague elle m'écrasait dessus et... enfin bref, j'ai failli me noyer plein de fois et tout. À la fin, avant le beau clip là, j'en ai pris une bien, je vous la remets. J'ai réussi à me mettre debout, mais en fait je suis allé trop devant, genre fallait prendre la vague sur le côté pour avancer et surfer quoi. Mais bon, j'ai pas réussi. Je retentais une prochaine fois. C'était ma première fois en pleine mer. Genre, j'en avais jamais fait avant. Enfin, c'est ma première fois sur des rouleaux comme ça. Donc, je trouve ça va. Je me suis bien débrouillé. Mais bon, ça a retenté tout ça. Donc, voilà. Donc, on retourne à Paris. J'espère que ce vlog, ça vous aura plu. C'était une petite vidéo parce qu'on est resté que 2 jours à Tahiti. Donc, voilà. J'espère que vraiment ça vous a plu. Même ce road trip, il était incroyable. Et puis, on se retrouve très prochainement pour d'autres voyages et d'autres vidéos. Je vous tiens au courant de toute façon. Allez, c'était Pète Araignée. Excusez-moi. Ciao.